Bonjour à tous, salut les pilotes, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui je vous propose un vol entre Paris-Orly et Genève en Airbus A320, départ de Paris-Orly en Cold and Dark. Et donc on va faire toutes les procédures ensemble pour pouvoir démarrer notre appareil et faire notre vol entre Paris-Orly et Genève. Nous voici en porte S26 sur le terminal, l'aérogare sud de Paris-Orly. Voilà, pour ceux qui connaissent Orly. Donc on est sur IVAO, on a un appareil là au départ. La scène Paris-Orly, pour ceux qui connaissent, très très bien reproduite, très fidèle. Voilà, donc vous avez le temps d'arriver, hein, le temps qu'on fasse notre prépa d'avant-vol. Ouais, la météo pas terrible hein, sur Paris aujourd'hui. Si je regarde par la fenêtre, ça correspond bien en tout cas à la météo qu'on a dehors. Donc on va faire ce vol en A320 Neo, compagnie EasyJet. Pour ce Paris-Genève. Ok, on va rentrer dans le cockpit. On est donc en Cold and Dark. Voilà, donc tous les écrans sont éteints. On n'a pas d'alimentation encore. Hein. L'avion n'est pas alimenté. Bien qu'il soit connecté au GPU ici, on va pouvoir s'en servir justement au sol. Quelques safety checks. On va vérifier 2-3 petites choses avant de démarrer. On n'ait pas de coupe-circuit déclenché, pas de fusible si vous préférez. Mes manettes de gaz, je vérifie sur mon joystick, sont bien en position 0. Parking brake est serré. Radar météo off. Spoiler, position retract. Flaps sur 0. Landing gear en position baissée, ambition abaissée, down. Et mes essuie-glaces gauche et droite sont bien en position off. Voilà, donc je le refais, c'est peut-être mieux avec le pointeur. Donc radar météo ici, position off. Spoiler retract, flap sur 0. Les master I2 sont en position off. Train d'atterrissage, position abaissée. Les essuie-glaces gauche et droit en position off également. On vérifie qu'on ait bien nos manuels à bord également, les manuels de l'appareil. Hop, on s'installe. Donc, première chose, pour démarrer la 320, on va lui apporter du jus. On a deux batteries, là on voit qu'elles sont suffisamment chargées. On va démarrer les deux batteries, une et deux. Comme on va pas vider nos batteries, on va servir du générateur extérieur qui est connecté à l'avion. Voilà, on a la ventilation qui se met en route, nos écrans qui démarrent. Très bien. Comme il fait un petit peu sombre, on va apporter de l'éclairage. On va éclairer tous nos panneaux,
Donc l'overhead. Ici, mon PFD pour Primary Flight Display. Le ND juste à droite pour le Navigation Display. Le Flight Control Unit pour l'autopilot. On a le rétroéclairage, hop. On va faire pareil chez le copy d'abord. Les deux ICAM. Voilà, et sur les panneaux inférieurs, pareil. Ok. Donc là, on voit que les portes de l'avion sont ouvertes, c'est normal. Je vais démarrer ma tablette aussi. Et je crois que on a déjà le fuel truck qui est là, voilà, il est là. Donc on va pouvoir demander notre carburant. Alors je vais peut-être recharger la route sur Siem Reap. On va donner un départ de la porte. Il est midi 40. On va se donner 13 10. Voilà, là c'est bon. Donc j'ai ma route Paris-Orly jusqu'à Genève. On va dans l'OFP, l'Operating Flight Plan, et on vérifie donc le block fuel pour le kérosène. Donc j'ai besoin de 4646 kg. Bon, on va prendre 4650 kg. Voilà. Et là donc il est en train de refueler, on peut se mettre sur la page carburant. Et on va faire le plein dans les réservoirs. On va se diriger vers l'overhead. On va vérifier 2-3 petites choses. La commande d'appel d'urgence. On entend qu'il retentit. On va connecter l'oxygène. Le test boîte noire. La commande d'évacuation fonctionne et puis on va tout de suite aligner les centrales à inertie. Les IRS pour Inertial Reference System qui vont permettre de positionner notre appareil. Donc on vérifie que le voyant on-bat s'allume et s'éteigne. Donc pour les flots, hein, quand vous êtes sur l'overhead, on fait de gauche à droite et de bas en haut. Donc j'ai commencé ici sur le panneau de gauche, de bas en haut. Maintenant sur le panneau central, pareil de bas en haut, donc je vais allumer les feux de navigation pour indiquer au personnel au sol qu'on se trouve dans l'avion. On va mettre le no smoking. Emergency light, on va le mettre en position armée. On vérifie position on que ça fonctionne, on le met en position armée. Là je teste mes ampoules. Ça fait sapin de Noël, on voit que tout fonctionne, c'est très bien. Je peux l'éteindre. Puis je vais régler la température cabine qui sera d'environ 22 degrés. Bon, j'ai pas encore fait le plan carburant, donc on laisse les pompes carburant sur off, on n'y touche pas. On va faire nos tests incendie pour la PU. Moteur numéro 1 et engine 2. Puis le test de détection fumée en soute qui fonctionne également. Voilà pour l'instant l'overhead, on en reste là. Et puis maintenant on va rentrer donc toutes les données pour notre vol dans
l'ordinateur de vol hein, de l'avion dans le FMC ou MCDU. Hop, donc on va init press, on va demander les data request. On vérifie à chaque fois les données, donc on est bien sur le vol EasyJet. Donc c'est notre indicatif 67, Alpine 67 Delta Tango, départ LFO, direction LEG pour Genève, un temps en route de 45 minutes. On aura 131 pax à bord sur ce vol. On va demander l'embarquement. On commence par la page Init A, Init Request. On vérifie les données intégrées, donc LFPO direction LGG. Le dégagement à LZH c'est Zurich. Notre call sign Alpha 67 Delta Tango. Cos index de 15 pour l'indice de performance. Cruise altitude niveau de vol 270. On verra si on peut monter plus haut et moins 38 degrés pour la température en croisière. Par contre, ça, on va la corriger avec notre plan de vol ici. Si je regarde ici, top of climb, niveau 270 ici, on le voit. Et là, il m'affiche moins 38 et là, il donne moins 30. Bon, bah c'est bon, on n'a pas besoin de le corriger. On voit qu'on a une tropopause à 43 300 pieds. Donc ça veut dire que jusqu'à cette altitude-là, la température dans l'atmosphère va continuer de baisser. Je crois que c'est 2 degrés tous les 1000 pieds à peu près. Vous perdez 2 degrés tous les 1000 pieds. Et comme on cherche de l'air froid, puisque l'air froid est plus dense, donc c'est mieux pour notre appareil, c'est mieux pour les performances de l'avion, on va chercher à voler plus haut pour avoir de l'air plus froid. Donc là, entre le niveau 270 et le niveau 430, j'ai de la marge donc je vais pouvoir voler plus haut, on verra ça tout à l'heure. On regarde notre route et on va rentrer départ et arrivée. Donc pour l'instant on n'a pas de contrôle IVAO. On va rentrer la route que nous a donné Simrich pour le départ et l'arrivée. Donc là on a tous les points de navigation sur les airways à chaque fois, hein, ça c'est notre route. Jusqu'à Genève. Voilà, et pour rejoindre nos airways, il va falloir qu'on fasse une seed et qu'on prenne une seed et une star pour le départ et l'arrivée. Et donc ça c'est Simrich qui nous l'a donné ici. Donc on a un départ LFPO prévu en piste 24. Et la suite de départ c'est pilule 9 whisky. Donc. Et ben donc on va rentrer ça dans le FMC. LFPO départ piste 24. Pilule 9 whisky, je vérifie c'est bien ça. Voilà pour notre site de départ, on va la rentrer. Pour l'arrivée, on va sur Genève. Donc là, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit une arrivée en piste 22. Donc ça, c'est prévu en fonction des vents. Hein. On atterrit et on décolle toujours. On cherche toujours le vent de face. À la star d'arrivée, ce sera la Lussard de Roméo. On a une ILS, on va choisir l'approche ILS. Qui sera la plus pratique. L'hussard de Roméo. Là, il me propose une transition. La transition, ce sera SPR. Le VOR SPR de Saint-Prex. Ok, on va rentrer ça. Et puis maintenant, je vais vérifier toute ma route. Alors, je passe en mode plan ici.
On va vérifier la route, on vérifie qu'on n'ait pas de discontinuité. On fait défiler les points. Donc là on voit qu'il y a une discontinuité, donc on va l'effacer. Vous faites clear, elle s'efface. Et là pareil, on a un point manuel et une discontinuité, donc ça on l'efface. Voilà, ça permet de relier les points entre eux. Donc là, ça a l'air pas mal jusqu'à Genève. J'ai l'ensemble de ma route. Si on regarde à l'échelle... À une échelle plus dilatée, ça donne ça. Et là, on a l'ensemble de la route Paris-Orly jusqu'à Genève. Donc c'est parfait. Je vais passer en page performance, on va rentrer les performances take-off. Donc là il a bien intégré la piste 24 pour le départ, Paris-Orly. Pour ça je vais me servir du calculateur habituel. Donc on est sur Airbus A320. La longueur de piste, piste 24, elle est là, elle fait 3650 mètres. Donc si on prend le point d'entrée aussi 41, on aura toute la piste pour décoller. Hop, donc on va mettre 3600 mètres. L'altitude du terrain sur Orly, donc 291 pieds au-dessus de la mer. Et pour la météo, bah, on peut regarder le métar de Paris-Orly. On l'a sur la tablette. Donc à l'FPO du 29 janvier, 11h30 Zoulou, les vents 250 degrés, 12 nœuds, donc vent de face, hein, 250 degrés, donc le vent vient du 250, donc on regarde d'où vient le vent, donc vent de face, j'ai dit 12 nœuds, donc on va prendre entre 11 et 15, à haute température, on est à 9 degrés au sol. On a un QNH à 1033. Et ensuite, le poids au décollage estimé, take-off weight, 60 666 tonnes. On décolle en configuration flaps 1, on a suffisamment de pistes. J'ai une température qui est de 9 degrés, donc inférieure à 10 degrés, donc on va pouvoir mettre anti-ice. Puisqu'on a de l'humidité visible et une température inférieure à 10 degrés. Donc c'est les conditions pour déclencher l'anti-ice. La piste pour l'instant elle est sèche. Salut Stalfire, welcome board, j'espère que tu vas bien. On se fait un petit vol entre Paris et Genève en live stream. Bienvenue à toi. Et si on a d'autres qui nous rejoignent. Voilà, donc avec toutes ces données là, il va nous calculer donc une V1 qui sera la vitesse de décision. C'est la vitesse au-delà de laquelle on peut plus s'arrêter sur la piste et on sera forcé de décoller. Donc ça c'est la V1, elle est de 142 nœuds. La rotation c'est la vitesse à laquelle on va décoller, elle est de 146 nœuds. Et ensuite on a une V2, vitesse de sécurité, vitesse minimale pour voler avec un seul moteur, elle est calculée à 147 nœuds. L'altitude de transition en général en France et actuellement sur Orly, ce sera 5000 pieds, on le retrouve ici, transition altitude. Transition altitude c'est pour le départ et transition level c'est pour l'arrivée. Voilà. Donc là vous avez transition altitude, par exemple sur Genève 7000 pieds, transition level, by ATC. On prendra 7000 pieds nous si on n'a pas de contrôle. Donc là on est sur Orly 1 là, en portée S26, on est exactement ici. Donc 5000 pieds pour l'altitude de transition, ça c'est l'altitude à partir de laquelle vous allez basculer en QNH standard. Là on met la pression barométrique du terrain, pression barométrique actuelle en hectopascal.
Ça on le réglera tout à l'heure, hein, mais c'est pour vous donner la définition de l'altitude de transition. C'est pour caler tous les avions à la même altitude. Puisque si on avait chaque avion qui... puisque en fait la pression barométrique qui va influer sur votre altimètre, donc va vous faire varier votre altitude. Donc si tous les avions choisissent différentes pressions barométriques, ils ont forcément des altitudes différentes en vol, ce qu'on veut pas, donc c'est pour ça qu'on a établi des conditions standards. Donc QNH standard en gros c'est 1013 hectopascal. Ensuite on a thrust, réduction, accélération, donc la réduction. Donc ça typiquement c'est des procédures anti-bruit classiques qu'on appelle NADP, Noise Abatement Procedure, quelque chose comme ça. On va pas rentrer dans le trop technique. Donc en gros, c'est, on va donner des altitudes à partir de laquelle on va faire une réduction avec nos manettes de gaz. Hein, donc quand vous allez décoller, vous décollez soit sur le mode Toga Takeoff Go Around, soit sur un mode Flex. Nous on va faire un mode Flex puisque là vous voyez qu'il nous a calculé pour notre décollage, thrust setting, il nous a calculé une flex 64 degrés qui est une température fictive donnée au moteur en fait pour avoir une poussée optimale en fonction de la configuration de l'avion pour préserver les moteurs et éviter d'avoir à utiliser le mode maximum toga de manière systématique. Donc les procédures anti-bruit classiques, vous en avez une classique 1500 3000 pieds. Mais comme le terrain d'Orly est à, on l'a vu, il était à 291 pieds au-dessus de la mer, donc on va dire 300 pieds. Bah, si je fais 1500, 3000, ça va me donner 1800 et 3300. Ce qui veut dire qu'à 1800 pieds, nos manettes de gaz, on les passera en mode climb. Hop, on aura donc l'auto-thrust. Alors pareil sur Airbus, c'est de l'auto-thrust, c'est pas les auto-manettes comme sur Boeing. Sur Boeing, les manettes, elles vont bouger tout seul. Alors que sur Airbus, vous les laissez en mode climb, c'est un auto-thrust, c'est la poussée qui est gérée de manière automatique, mais les manettes de gaz vont pas bouger. Voilà, petite différence. Donc 1800 pieds, on va décoller, 1800 pieds, on décolle en mode flex. On va grimper à 1800 pieds, réduction, mode climb, réduction de la poussée. L'avion il va conserver sa vitesse V2 jusqu'à 3300 pieds, où là il va passer en accélération. Donc là on le verra ici après. Hein. Donc jusqu'à de 1800 à 3300 pieds, il va essayer de maintenir au minimum cette vitesse-là. Et à 3300 pieds, il va faire sauter cette contrainte-là qu'on a en rouge là. Et il va faire son accélération à 250 nœuds. Pourquoi 250? Parce que c'est la vitesse maximale autorisée en dessous de 10 000 pieds. Ah, donc ça, il sait le faire tout seul, c'est génial. On a dit qu'on décollait en flaps 1. Donc on rentre 1 ici. Le THS trim horizontal stabilisateur, ça c'est le réglage du stabilisateur à l'arrière de l'avion. Voilà, votre stabilisateur horizontal il est là. Il est là. Et donc ça se règle en fonction pareil de la configuration de l'avion, c'est-à-dire de la masse du centrage. Alors pour l'instant je vais rien mettre parce que j'ai besoin d'une donnée qu'on va voir tout à l'heure pour le régler. Donc je le fais pas tout de suite et j'y reviendrai tout à l'heure. Et vous allez voir que si vous avez le bon réglage, donc ça se règle à l'aide des roulettes ici. Et ben votre avion va décoller tout seul. Si vous le réglez mal, en gros, vous aurez besoin de tirer comme un bourrin sur le manche pour décoller. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. La flex température, donc je vous l'ai indiqué, donc c'était 64 degrés, elle est calculée donc à 64 degrés. Donc page perf on est bon, on va passer en radio navigation, on va regarder sur notre départ. Donc alors le petit briefing départ, on est en porte S26 Orly 1, on a un départ prévu sur la piste 24. Donc on va repousser face au nord.
Prendra ici, Whisky 3, Lima Papa, point d'attente Whisky 41, la piste 24 elle est là. Donc Whisky 3, Lima Papa, Whisky 41, départ piste 24. Voilà, ensuite notre site de départ c'est Pilule 9 Whisky. Donc c'est une seed AirNav. AirNav, donc ce sont des points GPS que va suivre l'avion grâce à l'autopilot. Voilà, piste 24 pour les jets avion à propulsion au-dessus de 19 500 pieds. Et donc pilule 9 whisky, qu'est-ce qu'il nous donne comme instruction? Initial climb, donc on a déjà 8000 pieds pour la montée initiale. On va pouvoir régler ça sur l'autopilot. Donc initial cap piste 24, donc on monte cap orienté 236 degrés et en direction du point PO243. Et pas de virage avant TER. DER, je sais pas ce que c'est honnêtement. Donc 236 degrés, donc ouais bon, à mon avis bon, ça doit être ça. PO241 et on entame notre virage sur la gauche. Et la scie de départ, donc pilule 9 whisky, c'est celle-ci. Donc ici on voit qu'on a le VOR de Orly, POY, Papa Oscar Yankee. Alors on va regarder autre chose. On va prendre parce que les avions atterrissent en piste 25. En cas de problème au décollage, on va regarder la procédure d'approche manquée là. Et donc on peut faire un hold sur Melun. Donc en cas de problème au décollage, on rejoindra Melun. Et on va rentrer la radiale 133. 133 du VOR de Melun. On va faire ça. C'est celui-là. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que... Donc j'ai pris les procédures d'approche sur la piste 25 puisque les avions atterrissent en piste 25. Donc j'ai préféré entrer le VOR de Melun puisque ici on peut faire un, je vois qu'on peut faire un hold ici. Donc en cas de problème au décollage sur sur Orly, sur après la piste 24, eh bien on rejoindra la radiale 133 du VOR de Melun pour faire un hold uniquement en cas de problème après le décollage. Hop. Alors je vais regarder où est-ce que ça en est de l'embarquement. Je vais vérifier les masses de mon avion, que tout soit cohérent. Donc on a 131 pax, tout le monde est à bord. Payload 13 tonnes 6, donc j'ai pas de cargo sur ce vol. Donc payload c'est vérifié 13 tonnes 6. Donc là je sais qu'en fait les données entre Simbrief et le simulateur sont exacts, en fait sont les mêmes. Le 0 fuel weight 56 tonnes 1, c'est vérifié également. Le kérosène on le voit ici, fuel on board 4 tonnes 6, quasiment 4 tonnes 7, donc on peut être 4 tonnes 7. Et pas au décollage estimé, donc 60 tonnes 7. Donc pax ce sont les passagers. Le cargo c'est le poids, normalement c'est le poids des bagages plus du fret, mais dans Simbrief il prend le poids des bagages dans le poids des pax. C'est pour ça que vous avez 0 en cargo. Puisque j'ai pris 0. Si j'aurais pris 2 tonnes de fret, il aurait écrit 2 tonnes. Comme c'est un vol EasyJet, on a que le poids des passagers et de leurs bagages. C'est pour ça que on a que nos 130. Donc les pax passagers, le cargo c'est égal. Cargo égale fret plus poids des bagages. La payload, c'est le poids du cargo plus le poids des passagers. Donc, payload égale cargo plus pax. Payload égale cargo plus pax. Ce qui veut dire que la payload est égale au fret plus le poids des bagages plus le poids des pax. Le 0 fuel weight
Zero Fuel Weight, c'est la masse de l'avion, comme son nom l'indique, sans le carburant, sans le kérosène. La masse de mon avion, elle est à 56 tonnes 1, estimée. Donc là, on voit qu'on respecte nos limites, puisque j'ai un maximal autorisé de 64 tonnes. Donc zéro fuel weight, auquel vous ajoutez votre kérosène, votre carburant de 4 tonnes 7, ce qui vous donne un point estimé au décollage de 60 tonnes 7. Pourquoi pas 60 tonnes 8 ? Parce que vous allez me dire 56,1 plus 4,7, ça doit faire 60,8. Parce qu'en fait, on va cramer du kérosène sur le roulage. On va cramer environ 100 kg. Et ça, c'est prévu, hein, c'est dans vos données carburant, Planet Fuel. Sur le taxi, le roulage sur Orly, vous cramez 115 kg. C'est pour ça que l'estimé take-off weight est à 60 tonnes 7. Voilà. Donc l'embarquement, c'est bon. Donc on avait rempli la page INITA, faut pas oublier de remplir la page INIT B. Donc fuel on board, on a dit 4 tonnes 7. Ça c'est votre block fuel. Trip wind, c'est le vent moyen sur le parcours qu'on va avoir. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé la météo, si on peut le faire, on va le faire. On va jeter un coup d'œil à la météo comme ça. Alors je crois que j'ai pris un TEMSI. Les TEMSI, donc c'est les données météo en altitude. Voilà, il est là. Comme on va à Genève, j'ai pris le TEMSI européen. Il est daté du 29 janvier, 12h UTC, c'est-à-dire 13h local. Après, voilà, vous avez la symbologie qu'il faut décrypter. Donc ça, c'est le symbole pour le givrage. Givrage sévère, donc entre 1000 pieds et 13 000 pieds. Ici on a LSZH, c'est Zurich, donc Genève on est par là. Voilà, bon, rien d'alarmant. Rien d'alarmant, hein. On a en priori de la couverture nuageuse sur le parcours, voilà. Mais si vous voulez faire entre guillemets plus simple, et ben on va regarder. Hop. Je vais faire ça. On va taper à l'FPO. Donc là on voit, ouais, qu'on aura quand même du vent, je pense, de travers. Vu notre route, on va se taper un vent de travers sur le parcours. Vu ce que j'ai là en météo réel. Un vent qui viendrait du sud-sud-ouest. Et pour la couverture nuageuse, bah, c'est pas terrible. Donc effectivement, on va avoir la couverture nuageuse tout le long de notre parcours jusqu'à Genève. Genève, ça a l'air un petit peu dégagé. Évidemment, ça peut évoluer d'ici là. De toute façon, à Genève, on voit qu'on a du vent faible. Condition Cavoc, 4 degrés au sol. Ça a l'air plus dégagé qu'à Paris en tout cas. On part entre lui il a des nuages très très bas. Ok, donc ça pour les vents on a vu. Donc là pour le vent moyen sur le parcours, vous l'avez ici, c'est Average Wind Component. Donc le vent moyen, la composante de vent moyenne sur votre parcours. Ici elle est de plus 15, donc il estime qu'on aura plus 15, c'est-à-dire qu'on va avoir du vent, vent arrière en moyenne de plus 15 nœuds. Donc c'est bien puisque ça va pousser notre avion. Salut Geoffrey, Geoffrey welcome, thank you for the follow, welcome board, bienvenue à toi. Donc composant de 20 plus 15, donc on va mettre plus 15 en trip wind. On vérifie le 0 fuel weight, il est bien 56 tonnes 1, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure.
j'attends un peu, il va nous calculer les données carburant, on va juste les rectifier. Donc on avait vu que sur le roulage sur Paris-Orly, il prévoit. Moi je les rectifie par rapport à Simrif. Hein. Il prévoit 115 kg, donc comme c'est exprimé en tonnes, on va mettre 0, 1 tonne, ça fait 100 kg. Le trip, ça correspond à votre délestage. Délestage, c'est ce que vous allez cramer sur votre parcours, donc jusqu'à Genève en vol. Donc temps en route de 46 minutes et on va cramer 1891 kg de kérosène. Ça, on laisse comme ça, on ne peut pas le modifier derrière sur l'FMC. Ensuite, contingent. Contingent, c'est la réglementation qui vous impose de prendre un contingent. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est soit 5% du délestage, soit l'équivalent de 5 minutes de vol à 1500 pieds. Et vous prenez la valeur la plus élevée des deux. Bon, là, il vous la calcule automatiquement. Il a choisi les 5 minutes. Calculé à 205 kg, ça fait 0,2 tonnes pour la réserve de route. L'alternate, c'est votre aéroport de dégagement. Nous, c'est alternate, c'est LSZH Zurich. Donc, on prévoit 1535 kg pour rejoindre l'aéroport de Zurich. Ce qui nous donne 1 tonne 5. Et ensuite, une réserve finale. Ça, c'est une réserve qui vous permet de voler sur un circuit d'attente de 30 minutes à 1500 pieds d'altitude. 30 minutes, on l'a ici. Calculé à 911 kg, ça fait 0,9 tonnes. Et voilà, donc là il nous calcule effectivement. Donc, si vous prenez votre block fuel, le carburant que vous avez on board, et vous déduisez toutes ces valeurs-là. Donc, si je fais 4,7 moins 0,1, moins 1,6 moins 0,2, moins 1,5 moins 0,9, ça va donner 0,4, soit 400 kg de carburant en plus, en extra, équivaut à 15 minutes de vol. Et en fait, cette différence de 400 kg. Et ben c'est la différence entre lui, le FMC, il calcule 1 tonne 6 ici, et lui calcule 1 tonne 9, ouais, quasiment 2 tonnes. Donc on a un petit extra de 400 kg. Alors voilà, maintenant que j'ai fait tout ça, en fait, dans la page Fuel ici, là il me calcule le CG, le centre de gravité, donc il est calculé à 24,7 et c'est cette valeur dont j'avais besoin pour régler donc le compensateur dont on avait parlé tout à l'heure. Donc je vais prendre ça, 24,7, et je vais sur la checklist de mon avion, et ici vous avez le réglage qui correspond à la 3DNX. Donc 24, là vous avez 20. On va zoomer un peu. Le réglage du trim, THA trim horizontal stabilisateur. Donc lui donne 24,7. Donc 24, 26, 25 c'est au milieu. Donc je prends un petit peu moins ici. Donc on va dire, voilà, ça nous fait 1. On va dire 1,7 on va mettre. Up, en position up. Hein. Vers la droite c'est down. Vers la gauche up. Donc up 1,7. Donc là, maintenant je peux le rentrer. Donc je vais le rentrer. Up 1,7. Et ça, c'est ce qu'on réglera dans les flight control, le pitch trim ici, grâce à la roulette. Et ça, je le ferai tout à l'heure sur les flight control. Et puis moi, je vais le noter aussi. Alors attends, je vais juste noter le fuel on board. Donc on est à 4 tonnes, 4640 kg. Et mon réglage stabilisateur, je vais le noter ici. Hop, en poisson, voilà. Alors, on a rempli notre plan de vol. La page performance. On a vérifié notre route. Init A. Init Alpha. Init Bravo. Radio navigation, on l'a vu. Donc, on est pas mal. On est prêt. Alors on va verrouiller la porte du cockpit. Je vais prendre un code transpondeur 1000 puisque je suis connecté sur IVAO, même si je vérifie avec vous, mais je j'ai pas de contrôle. Tant mieux puisque de toute façon on a déjà tout rentré. Donc si on a un contrôle, il va peut-être nous modifier le départ à l'arrivée. Donc il faudra tout remodifier. On va essayer de partir avant. Voilà. Je veux juste vérifier un truc. Anthony, hello, bienvenue à toi, welcome board.
Merci pour les infos, c'est très enrichant. Bah, écoute, avec plaisir, on fait certains vols en live stream où on essaye d'expliquer le maximum de choses pour pouvoir partager, que vous puissiez aussi faire des vols, des beaux vols en Airbus A320 ou CRJ. Jonathan, welcome board également. Ouais, après, bon, j'ai pas réponse à toutes les questions. Des fois, on a des pilotes A320 qui nous rejoignent sur les streams, donc c'est cool parce qu'ils permettent de corriger certaines choses. Et d'ailleurs, qui nous explique, et ben je vous le toutes les informations que je chope, ben je vous les retranscris derrière sur le stream. Voilà, moi il m'avait rectifié deux trois petites choses sur le chrono par exemple, des trucs. Voilà, après on rentre pas dans le dans la formation pilote de ligne non plus, que je n'ai pas, et qui va être beaucoup plus technique hein, sur les procédures pour l'approche, tout ça, etc. Et bienvenue à Camortado également. Bienvenue à vous. Bah écoute, c'est cool. Salut Steph, ouais, tu peux revoir les vidéos, elles sont toutes enregistrées sur YouTube, Facebook et sur Twitch. Bien sûr. Et ben, Camortao, ça va très très bien. J'espère vous passer un bon week-end, les gars, et bienvenue à bord de ce vol. Ouais Anthony, pas de problème si tu veux reparler du réglage du trim. Ah oui d'accord, oui, c'est parce que c'était au début de la vidéo, on en a parlé en deux temps, ouais, effectivement. Ok, donc alors par contre évidemment le problème sur les vols en stream c'est qu'on respecte jamais les horaires, là on va être à la bourre, on est déjà à la bourre, il est 12h18 Zulu, j'avais un départ 12h Zulu, donc Zulu c'est l'heure UTC. Donc Paris, on est UTC plus 1, donc actuellement à Paris, il est 13h18. Donc là, je suis en retard, je suis en vol retardé. Ok, il nous reste juste le paramétrer le FCU Flight Control Unit, donc pression barométrique, on a mis la météo réelle. Donc pression barométrique, on est à 1034. Vous appuyez sur la touche B, sur la touche Bravo de votre clavier, et il vous la rend. Donc là, j'ai quoi? J'ai 1033 et... Elle est à 1000, non c'est bon, c'est 1033, donc on est bien en météo réelle. Et comme je vous disais, vous vérifiez le calage altimétrique de votre avion. Là, vous vérifiez qu'en mettant la pression barométrique locale du terrain, que ça vous corrige bien l'altitude. Donc là, j'ai à peu près j'ai 300 à 300 et des poussières, donc ça correspond bien à l'altitude du terrain d'Orly. Yann, welcome born, bienvenue à toi. Le nom de la chaîne, c'est YouPilot. C'est attends. Parce qu'en phonétique, tu vas rien comprendre. Ouais, Camortado, ouais, on va être en retard comme la SNCF, c'est ça. Donc le QNH est réglé, je le vérifie ici sur le P. Donc réglé une fois, réglé deux fois sur l'altimètre de secours et réglé trois fois chez le pilote ici. Parfait. On va activer les constraints. Constraints, c'est les contraintes de vol. Si vous avez des altitudes en contrainte ou des vitesses en contrainte, en général sur les seeds et sur les stars, là on a des. Là voilà, par exemple, au point PO 300, il donne pas au-dessus de 10 000 pieds. Si vous avez une barre bleue au-dessus de votre niveau de vol, ça veut dire pas au-dessus. Si j'avais le trait en dessous, ça veut dire pas en dessous. Si j'ai deux traits, si j'ai au-dessus et en dessous, ça veut dire obligatoirement à cette altitude. Donc là, on a effectivement une contrainte d'altitude et on la retrouve ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est là. Ici, je vais passer en mode arc. On avait réglé le VOR de Melun en VOR numéro 2, donc on va mettre VOR 2. Voilà, il s'affiche ici, Melun, au cas où. Et puis là, je vais juste régler mon échelle. Montée initiale, on avait vu que c'était initial climb, c'était 8 000 pieds. Initial climb 8 000 pieds. Donc on va régler 8 000. Camortado, thank you for the follow. Merci pour le follow. Et bah écoutez, on est pas mal. Je vais activer les aéroports sur le copilote. Bon, les portes sont encore ouvertes. Bon, je pense qu'on a eu le temps d'embarquer. Autant les passagers que les bagages. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
On est connecté actuellement au GPU au sol, donc on va s'en débarrasser. On va démarrer l'APU. Comme je vous ai expliqué, actuellement l'avion était alimenté par le GPU à l'extérieur, mais il va falloir s'auto-alimenter. Quand vous rentrez dans l'avion, vous entendez un bruit et que les moteurs sont pas démarrés, bah en fait c'est l'APU qui est en route. Ouais, je sais, sur YouTube des fois la qualité est un peu moins bonne. Twitch, c'est sûr que pour le stream c'est quand même niveau qualité, c'est le top. Merci Camortaz en tout cas pour le suivi. Donc, on va démarrer notre APU, comme ça on va pouvoir se débarrasser du GPU. Et l'APU, c'est un moteur qui... Tiens, il y a un peu de pluie là sur Orly. Ah, tiens, hop. C'est joli. L'APU, c'est le... Voilà, c'est un moteur qui se situe dans la queue de l'avion. Et le GPU va pouvoir s'en aller. Donc là, on va démarrer notre APU. Harold, welcome board. Merci pour le commentaire, ça fait plaisir. Avec, bah, c'est cool. Donc pour l'APU, on va activer le master. Ensuite, on attend 3 secondes. 3 secondes, c'est le temps que la trappe s'ouvre à l'arrière, parce qu'il y a une petite trappe. Je sais pas si. Il y a une petite trappe qui doit s'ouvrir. Et après, vous appuyez pardon, sur APU Start. Donc APU Master. J'attends 3 secondes. Là, vous voyez qu'il est passé sur la page APU automatiquement. Voilà, flap open. Et maintenant, APU Start. Ouais, faut juste croiser les doigts pour qu'on ait pas de bug sur Flight Simulator, parce que ça c'est le gros problème de Flight Simulator, c'est que si vous avez des bugs surtout en stream, c'est un peu relou. Mais on avisera, c'est pas grave. Bon bah il commence à pleuvoir. On a fait le plein en carburant de notre avion. Donc maintenant on va activer les seatbelts pour les ceintures, puisque le plein en carburant est effectué. Seatbelt on. Et je peux activer mes pompes à carburant. Le démarrage de votre APU, vous pouvez le monitorer ici. Là, vous voyez que la température a augmenté, 400 degrés. Et là, il va bientôt. La turbine a démarré, on a du N à 100%. APU available disponible. Il nous délivre 115 volts, 400 Hz. Donc là, j'ai mon avion qui est alimenté cette fois-ci par. L'APU a démarré, donc on va déconnecter l'externe power, le GPU, et mon avion sera ensuite alimenté par son APU. Donc vous allez voir ici. Donc là, je le déconnecte ici. Je vais lui demander de se barrer, puisque j'en ai plus besoin. Voilà, il s'en va. Et si je regarde sur ma page électrique là. Maintenant, c'est l'APU qui alimente mon avion, qui recharge mes batteries via les transformateurs. Alors là, j'ai l'électricité. Par contre, ce qui manque, c'est de l'air, puisque pour démarrer les moteurs, on a besoin également d'air. Et on a également besoin d'air pour la climatisation en cabine. Même s'il fait pas trop chaud, vous avez toujours besoin de la ventilation. En cabine. Donc pour ça, on va activer l'APU bleed. La bleed APU. Bleed, ça veut dire air. Donc on le met sur on. Si vous faites pas tout ça, vous pourrez jamais démarrer vos moteurs en fait. Et là, vous entendez que la ventile se met en route. Et vous verrez tout à l'heure, pour avoir la pleine poussée moteur, on mettra nos packs sur les packs de climatisation. Justement, on mettra sur off. C'est pour ça, quand vous êtes dans l'avion avant qu'il décolle, vous entendez la ventile qui se coupe momentanément. C'est pour avoir la pleine poussée moteur. Bah écoutez, là on est pas mal. On va déconnecter la passerelle puisqu'on est déjà en retard. Je vais appeler le petit tracteur pour notre repoussage. Voilà, l'APU, ça fait beaucoup de bruit.
tracteur va arriver. On va prévenir le personnel au sol que nos moteurs vont démarrer. Donc vous activez le beacon. Le beacon, c'est la balise. Hop, sur run. Balise sur run. Alors moi j'ai mes checklists ici, donc je vais juste effectuer les checklists pour vérifier que je n'ai rien oublié. Stylefire, c'est une 2080 Ti. Normalement, si t'as le tout en descriptif. Pré-départ, pré-start checklist, external power check off. APU master, APU bleed, check on. APU engine fire test effectué. IRS 1, 3 et 2 position nav, c'est check. No smoking seat belt en position on. Emergency light position armée. Fuel pump gauche à droite, elles sont activées. ATC clearance received. FMC, on a rempli toutes les pages, on l'a vérifié, donc FMC complete. Beacon, check on, on vient de le faire. Parking brake serré. Doors check close, les portes sont fermées. Pre-start checklist effectué, donc je suis prêt au départ. Parce qu'à un moment, il faut quand même partir. Hello everyone. Captain and the entire crew would like to welcome you aboard on this aircraft. Ouais, bienvenue à bord. Ladies and gentlemen, a very good day. It's a pleasure to have today on board your captain of this flight. I hope you're sitting comfortably on board. Wish you already a very good stay with us today. Cockpit to ground. Meine Damen und Herren, einen sehr schönen guten Tag. Es ist ein Fest, mögen Sie heute an Bord zu haben, Ihr Kapitän, auf diesem Flug. In der Zwischenzeit, auf der Sie schon wohl bei uns an Bord fühlen, wünsche Ihnen einen sehr angenehmen Flug. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je suis votre... Ouais, Camortado. Bon, ça va, c'est un vol EasyJet. J'espère que vous êtes déjà confortablement installé à bord. Pour le réalisme, on a rajouté 28 minutes de retard, c'est pour ça. Je vais faire le repoussage et je passerai au démarrage moteur, séquence de démarrage moteur juste après. Ladies and gentlemen, please make sure that all your electronic devices are either set to flight mode or completely switched off. We are happy to have you as our guests and wish you a pleasant stay aboard. Meine Damen und Herren, bitte vergewissern Sie, dass Ihre elektronischen Geräte entweder im Flugmodus oder komplett ausgeschaltet sind. Es freut uns, dass Sie unsere Gäste sind und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Mesdames et Messieurs, veuillez vous assurer que tous vos appareils électroniques sont mis sur mode avion complètement éteint. C'est un plaisir de vous avoir à bord et nous vous souhaitons un agréable vol. Le push, non, c'est... T'as le lien également en description, Harold, pour le pushback. C'est un petit add-on. Et en fait, tu te sers des palonniers pour faire ton repoussage. Bon, d'ailleurs, là, il est pas très propre, mais c'est pas grave. Bon, allez, on va le laisser là, ce sera très bien. Parking brake serré. Parking brake set. Ground, you may disconnect. Okay, sir, clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Have a good flight. Allez, merci pour le repoussage. Donc là, on va passer à la séquence de démarrage moteur. Donc lui, il va se déconnecter. Il va enlever le pin. Il va nous montrer qu'il a bien déconnecté le pin pour qu'on puisse effectuer nos flight control après avec les palonniers. Parce que s'il est toujours connecté, bah, ça va tout casser. Et donc là on passe à la séquence démarrage moteur. Donc on a de l'électricité, on a de l'air, on va pouvoir démarrer. Donc on passe l'engine start, vous le mettez en position start. On commence moteur droit, master 2, set on. Frein de parking est bien serré.
Donc on a du N2, la température va augmenter, on a de l'air, on va avoir du carburant, du fuel flow, et notre moteur va démarrer. Voilà, on a du fuel flow là. Available, moteur numéro 2 est démarré, on passe séquence moteur numéro 1, master 1, set on. Ça, ce fameux bruit, c'est l'hydraulique qui se met en route. La météo qui se dégrade un peu. Alors ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, si on regarde, pour ceux qui sont à Paris, si vous regardez par la fenêtre, la météo correspond bien, ouais. On est là, donc Alpine 67 Delta Juliette. Et là j'ai un 737 qui se rend à Montpellier. Pas grand monde sur Ibao. Moteur numéro 1. Available, démarré. Parfait. Moteur démarré, on repasse l'engine start en position normale et on va vérifier les paramètres, tous les paramètres après le démarrage moteur. Donc la bleed, on a bien l'air, donc c'est les turbines qui apportent de l'air maintenant. Pression automatique c'est réglé, électrique c'est check, donc là c'est plus la PU, maintenant c'est les génératrices des deux moteurs qui alimentent l'avion. Donc maintenant on va pouvoir se débarrasser de la PU. Hydraulics check, on a nos trois circuits au vert. Fuel on board, je check à 4 tonnes 6 de carburant, c'est bien équilibré dans mes réservoirs. Check and balance. La climatisation en cabine, on avait donc 22 degrés, c'est parfait. Doors check closed. Break température, mes freins sont froids, donc c'est bon. On n'est pas en surchauffe, c'est parfait. On a 9 degrés au sol, mon QNH est réglé à 1033. Flight control, donc on avait parlé du réglage du THS, trim horizontal stabilisateur, up, on l'avait noté d'ailleurs à up 1,7. Bah donc on va le régler grâce à la roulette. Donc si vous le faites au clavier, c'est avec le pavé numérique, c'est les touches 1 et 7 du pavé numérique. Voilà, 1,7 c'est réglé. On passe au flight control, on va vérifier les commandes de vol, ça vous permet de vérifier que votre joystick est bien connecté, vos palonniers, tout ça, que tout fonctionne. Full down, full up, neutral, full left, full right, neutral. On va tester les spoilers, les aérofreins. Les rudders, les palonniers, rudder right, rudder left, neutral. Je vais mettre les spoilers donc en position armée, une fois que c'est vérifié. Flaps on décolle, configuration flaps 1, flaps set 1. Les passagers, ils sont tous attachés. Je fais l'after start checklist. Grand spoiler check armé. Flaps set for takeoff, flaps 1. ATC, on peut le mettre en auto. APU bleed, APU master.
or completely switched off for takeoff and landing. Check off, on en a plus besoin. Anti-ice, on avait dit qu'on en mettait pour les moteurs, puisqu'on a une température inférieure à 10 degrés et de la couverture nuageuse. Flight control, check free. Et light, on peut activer effectivement les feux pour le roulage. Et le reste, je l'ai mis en auto. After start checklist complete. Bah voilà le Transavia que je vous montrais sur Ivao. Voilà, il va partir avant nous. On va le suivre, tiens. Allez, top chrono, je note. On accuse un petit retard quand même. On va mettre midi 38 pour le départ de la porte. Allez, top. Frein de parking. Yes, salut Nico, merci, welcome board, merci. Et ouais, sur Genève, on a vu qu'il faisait meilleur qu'à Paris en tout cas. Ouais, c'est pour ça qu'Amortado, c'est bien de regarder les tutos comme ça. En général, t'as des très bons tutos. C'est aussi comme ça que j'ai appris en partie. Hein. Grâce à des très très bons tutos. Donc le Transavia, bah, il va partir avant nous. Bon vol à lui. Salut Francky, comment tu vas? Franck, j'espère que tu passes un bon week-end. Welcome board sur ce vol EasyJet Paris-Orly Genève. In case of an evacuation, follow the illuminated escape path markings and leave all your hand luggage behind. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety on board card. Your life jacket is located under your seat. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket. Bon, bah, s'il n'y a pas de bug, ce sera très bien. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. Voilà, donc on avait dit qu'on roulait Lima Papa, après c'est point d'attente Whisky 41 pour un départ piste 24. Choose the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully prior to takeoff. Orders given by the crew and regulations have to be followed at all times. Thank you for your attention. Le Transavia, il a dû décoller. Provide information when you will be done your cabin personnel. Anweisungen der Besatzung und Vorschriften müssen jederzeit befolgt werden. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. Les consignes de l'équipage et les directives doivent être respectées en tout temps. Nous vous remercions de votre attention. Per ulteriori informazioni, Whisky 41, piste 24. Frein de parking serré. Il regolamento devono essere seguiti sempre. La ringraziamo per la sua attenzione. Ah oui, Cabortado, pour jouer à deux, je crois que t'as des smart copilotes. Mais honnêtement, j'ai jamais essayé, je sais pas. Et sur FS. Je sais pas si ça marche très bien, je l'ai déjà vu sur X-Plane. Et perso, jamais testé le les vols, les cockpits partagés. On fait notre prépa take-off, donc avant le décollage. On active le radar météo. Même si sur cette version il fonctionne pas encore. Ouais, ouais, Harold, on a déjà vu un vrai cockpit, plusieurs même. On a eu cette chance, ouais. On active le Predictive PWS, Predictive Wind Shear, prévention du cisaillement. Transponder Run. Le TCAS Traffic Collision Alert System. On le met en mode TARA, c'est l'anti-collision, hein. Même, il fonctionne pas sur cette version, mais TARA qui signifie Traffic Alert Resolution Alert. Donc en gros, quand ça fonctionnera plus tard, il vous donnera le trafic, Traffic Alert. Et si vous croisez un trafic trop proche, il vous donnera des indications pour éviter une collision, donc Resolution Alert, le mode TARA.
Auto-break, on le met au maximum en cas de décollage avorté. Sur Boeing, c'est RTO, c'est le mode RTO, c'est Rejected Takeoff. Donc sur Airbus, c'est auto-break maximum. On va viser la cabine pour notre départ. Flight attendants, please prepare for takeoff. Et comme je vous disais, les packs de climatisation, je les mets sur off pour avoir la pleine poussée dès quoi. Je vais activer les strobe lights, c'est les feux stroboscopiques, c'est les feux qui clignotent, qui flashent, pour indiquer qu'on va pénétrer sur une piste active. Et là sur l'ICAM, il reste, on voit qu'il me reste la takeoff config. Donc on appuie ici. Et l'avion vérifie en fait s'il est en position, en configuration décollage. Il me dit takeoff config normal. Moi je vais doubler ça, faire un double check avec ma takeoff checklist. Donc takeoff checklist. Weather radar check on. Predictive wind shear set auto. Engine start check normal. TCAS TRA. Auto break set maximum. TO config normal. Light beacon. Pack 1 et 2, check off, take off checklist, compete. Alors je vérifie juste sur IVAO qu'on n'ait pas d'avion en approche parce que des fois j'oublie. Et donc là on est là. Non, on est là, Alpine 67 Delta Juliet. Lui il est derrière nous. Et le 737 a décollé. Bon bah c'est bon. Pas d'avion en approche, c'est parti. On va s'aligner piste 24. Autorisé décollage piste 24, Alpine 67 Delta Juliet. On autorise décollage, on peut mettre nos landing lights en position on. Piste 24, c'est vérifié sur la signalisation au sol. C'est vérifié également sur mon indicateur de cap. Allez, top chrono. Throttle, on met 50% de poussée, 50% de N1. On vérifie la poussée, qu'elle soit stabilisée. Et poussée décollage, on décolle en flex. On vérifie, je suis bien en flex 64 degrés. Les modes SRS runway s'activent. Climb, auto thrust, blue. 100 knots, c'est check. On va passer V1, V1 et rotate, rotation. Je prends à peu près 20 degrés d'angle. Latitude augmente, positive climb, gear up. À 1800 pieds on avait la thrust réduction, on va passer, donc là il maintient la vitesse V2 ici, 1800 pieds il va demander, c'est la réduction, il va passer en throttle lever climb, il veut que je passe en climb thrust 7, là il est passé en throttle climb, il garde sa vitesse jusqu'à 3300 pieds, donc autopilot on. Donc là vous voyez 1800 pieds je passe en réduction, il maintient sa V2 jusqu'à 3300 pieds. À 3300 pieds, vous allez voir qu'il va faire sauter sa contrainte, il va passer en accélération. Donc là on le laisse faire gentiment. Donc là ça c'est la V2 hein, qui était rentrée dans l'FMC. 3003, tac, il a fait sauter sa contrainte. 200, maintenant il va chercher l'accélération. Qu'est-ce qu'il fait? Il baisse le nez, il baisse le nez comme ça, il va chercher de la vitesse. On a la flèche jaune qui augmente. Il va chercher ses 250 nœuds. Entre temps, on va passer la S-speed. S, ce sont les slats, donc les becs de volée. Donc on passe la S-speed. On rentre les volets. Flap 7-0. Je peux désarmer les spoilers.
je vais rallumer mes packs. Les feux de taxi, on les coupe. Donc là, les modes climb et nav sont activés, hein, l'avion est en montée. L'altitude augmente vers quai à speed positive et l'avion suit bien sa route. On a passé 5000 pieds. 5000 pieds, c'était l'altitude de transition. Donc on passe en pression barométrique standard. Ici, ici, c'est vérifié, QNH standard. Alpine 67 Delta Juliette, niveau de vol unité 5-0. On va grimper. J'avais réglé le vore de Melun en cas de décollage avorté, donc là il me donne bien la direction du vore de Melun en cas de problème sur notre décollage. Là, évidemment c'est pas le cas, c'est pas le but, mais si j'avais besoin de faire un hold sur le vore de Melun, eh ben, on aurait pu. On a passé la couverture nuageuse et en au-dessus des nuages, je vais pouvoir couper l'anti-ice. Donc là, il s'est mis la contrainte qu'on a vue tout à l'heure de 10 000 pieds. Moi, je vais la faire sauter. On va dire que la TC nous donne. Donc là, je passe en mode sélectionné avec la flèche du bas et je l'oblige à monter. Donc je vais le forcer à passer la contrainte des 10 000 pieds. D'ailleurs, 10 000 pieds, là il fait sauter sa contrainte de vitesse des 250 nœuds et maintenant il passe en accélération. Il va chercher les 290 nœuds. Pourquoi 290? Parce que c'est la vitesse prévue sur la procédure, sur la climb, sur la montée, 290 nœuds. Là je vais le repasser en mode géré, maintenant qu'il a passé ses 10 000 pieds, on va grimper niveau 200. Donc là pour l'instant il garde une très légère incidence parce qu'il cherche l'accélération. Une fois qu'il aura atteint sa vitesse des 290, il va poursuivre sa montée. Voilà, là il a atteint ses 290 nœuds. Et on poursuit la montée. Voilà. On a un taux de montée qui est bien, hein, 3500 pieds minute. Allez, on va dire que la tour nous donne un direct sur le point pilule. Comme ça, je vous montre comment faire un direct. Ça arrive sur IBAO. Hein. Donc on va sur le FMC, touche direct, il nous donne un direct sur pilule. Hop. Voilà. Et là, l'avion, il fait un direct pilule. Bon, mon décolle s'est bien passé, j'ai plus besoin du vore de Melun, je l'ai désactivé. Donc les directs, ça vous permet de gagner un peu de temps également sur votre parcours. En plus là on a du retard. En général c'est ce qui vous permet de gagner du temps en route. Parce que, alors moi j'aime bien regarder les timings. Donc on a passé 10 000 pieds, pareil au-dessus de 10 000 pieds. Donc on n'a plus besoin des landing lights. On les coupe. Pas de turbulence, pas de virage prononcé. On a passé 10 000 pieds. Je vais décrocher les passagers, seatbelt off. Ouais, c'est cool Stalfire. Bon bah c'est bien si ça plaît. Ouais, c'est ça Camortado, t'as tout compris. Il y a un petit peu d'expérience de simulateur. On vérifiera si on a ce vent, on avait dit un vent du sud-ouest là. Pour l'instant c'est un vent plutôt... là pour l'instant c'est un vent arrière. Et il vient de... Alors on est d'accord que le nord c'est zéro. Le vent il vient... Ouais, bon là pour l'instant il vient plutôt...
presque quasiment du nord. On vérifiera sur le parcours. Allez, on est autorisé sur la croisière Alpine 67 Delta Tango, niveau de vol 270. C'est engagé. Ah oui, les sons cabine, ouais, parce que vous entendez le son des chiottes là qui. Ouais, c'est. Alors en fait, il y a FS réalistique en fond. Et pour les annonces passagers, c'est Luc Ertoul. Vous avez tout en description de vidéo. Hein. D'ailleurs, on va les rassurer un peu. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that smoking is prohibited on board this aircraft. For safety reasons, you are required to proceed down fasten whenever you are seated. Donc là on fait un direct, hein, c'est pour ça que l'avion n'est pas sur sa route. On fait un direct pilule. Später haben Sie die Möglichkeit, exklusive Markenprodukte aus unserem Swiss Duty Free Shop einzukaufen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mesdames et Messieurs, nous aimerions vous rappeler qu'il est interdit de fumer à bord de cet avion. Pour des raisons de sécurité, vous êtes obligé de vous attacher lorsque vous êtes assis. Dès que nous aurons atteint notre altitude de croisière, nous commencerons notre service. Plus tard, vous aurez la possibilité d'acheter des articles de réputation mondiale parmi la sélection que nous vous proposons de notre vente à bord. N'hésitez pas à vous adresser à un membre de l'équipage pour toute information ou question supplémentaire. Donc qu'est-ce qui se passe? On a le mode climb d'activé toujours, l'avion est en montée, on gagne de l'altitude, vertical speed positive, on va chercher le niveau de vol demandé 270. Le mode navigation activé également, l'avion suit bien sa navigation horizontale. On a ce vent qui nous pousse un peu, donc 22 nœuds de vent arrière, ça va nous aider à gagner un peu de vitesse. C'est pour ça qu'on a une vitesse sol plus élevée que la true airspeed, c'est le vent qui nous pousse. On va même pouvoir voler un petit peu plus haut, on va demander le niveau de vol 3.80. Et on va dire que la tour nous l'accorde, niveau de vol 3.80. Donc le but c'est d'avoir de l'air plus froid, puisque sur le niveau de vol 2.70 on prévoyait une température de... donc 2.70 c'est ce qui était prévu. On prévoyait moins 38 degrés. Et ben nous on va chercher de l'air encore plus froid. Parce que c'est meilleur pour les performances moteurs. Hein, c'est... La densité de l'air, en fait, elle est inversement proportionnelle à la température. C'est-à-dire que plus l'air est froid, plus l'air va être dense. D'ailleurs, vous avez les impacts opérationnels. Noté quelque part par là. Donc là il dit si on monte de 1000 pieds, flight level change up 1000 pieds, on va consommer moins 8 kg. Voilà, donc c'est meilleur pour les performances mondiales. Par contre, pas de gain de temps, zéro. On va pas gagner en temps mais en timing, mais on va consommer moins. L'heure de décollage, donc je vais la noter. Là j'ai midi 56. On a décollé il y a 12 minutes. Donc ça fait 12h44 UTC. 12h44 UTC pour notre décollage depuis Paris-Orly. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On avait un départ prévu de la porte à 11h40 UTC. On est parti à 12h38. Ça fait un retour tard de
fait. Attends. Bah c'est pas grave, on va se baser sur celui-là. Parce que comme on l'avait ajusté entre temps, là il n'y aura pas les mêmes heures. Voilà, c'était midi, c'est pour ça. C'est pas grave, on va le calculer par rapport à ça. Donc là, ça fait 38 plus 20, ça fait 58 minutes de retard ici, depuis la porte. Sur le roulage, là, on voit qu'il prévoyait de 11h40 à 12h50, il prévoyait un roulage de 10 minutes au départ, d'ailleurs comme à l'arrivée, 10 minutes aussi. Et moi, j'ai mis 38 à 44, j'ai mis 6 minutes. Donc ici, j'ai gagné 4 minutes, plus 4. On va atteindre l'altitude de croisière, 31 000 pieds. Parfait. Voilà, il maintient son altitude de croisière. D'ailleurs, je sais pas si on peut le rectifier ici. Paginite, si je mets niveau de vol 3-1-0, voilà, et là du coup il passe en cruise altitude. Donc niveau 2-7-0 qui était niveau de base prévu, on avait dit moins 38 degrés, et lui là il prévoit au niveau 310, il prévoit de l'air beaucoup plus froid, moins 46. Là j'ai moins 48. Si je compare avec ce qu'avait prévu Simbrief, donc là on arrive ici au point Pimup, là il prévoyait moins 38 degrés au niveau 270. Et là au niveau, voilà, par exemple niveau 300, il prévoit ici moins 46 degrés, donc ouais c'est cohérent. Cohérent avec ce que nous donne Flight Simulator, donc c'est pas trop mal. Bon, la météo comme prévu, hein, c'est couvert. Donc là théoriquement on devrait avoir un vent ouais, à peu près du sud-sud-ouest. Ça c'est la réalité. Et lui il nous donne quoi? Bah, regardez, bon c'est pas trop mal. On a un vent, en tout cas on a un vent arrière de 20 nœuds. Là il dit que le vent vient du 354, donc il vient ici. 330, 40, 50, on est là, le vent vient d'ici. Donc là pour lui j'ai un vent qui viendrait plutôt du nord alors. Bon actuellement ouais, pour lui là le vent vient du nord. Alors c'est un vol assez court, hein, donc on va préparer tout de suite notre arrivée sur Genève. Bon bah regardez, à Genève, il a l'air de faire beau là en direct.
direction Genève, vous avez une piste unique. Donc les vents 230 degrés, 6 nœuds. Vent variable, condition Kavok toujours, température de 5 degrés, QNH à 1034. On va regarder notre star. Donc là vous voyez sur la star, hein, je vous avais parlé des altitudes, des contraintes à chaque fois. Là on en a des contraintes d'altitude. Donc au point Lussar, pas en dessous de 20 000, ici pas en dessous de 16 000, pas en dessous de 8 000. Donc on va, pour notre descente, on va suivre à peu près ces altitudes là. Donc on va dire 20 000 au point Lussar, 16 000, etc. Donc là je suis au niveau de vol 310. Et on va dire qu'au point Lussar, je dois être à 20 000 pieds. En tout cas, pas en dessous. Je peux être au-dessus, mais pas en dessous. Donc j'ai 11 000 pieds à perdre. J'ai 11 000 pieds à perdre. De 31 à 20, ça fait 11. Hop. Déjà, il me demande déjà de rentrer les données pour l'approche. Donc 11 000 pieds à perdre, si on prend un taux à peu près de 2000, si on prend 2000 pieds minute, et ben ça va me faire un peu plus de 5 minutes. 5 fois 2, 10. Maintenant je sais que mon avion, lui, si je le laisse en mode Jerry, il va descendre plus vite. Il va descendre à peu près 2005-2006. Donc pour être à 20 000 pieds au point Lussar, je vais mettre, je pense que je vais mettre 3-4 minutes, même pas. Donc là le point Lussar il le donne à 13h11 UTC et moi j'ai 13h04 bientôt. Donc là j'ai largement le temps. On va pas débuter notre descente tout de suite, on pourra le faire à... Allez, on se prend large, on prend 4 minutes de descente. Donc 13h11 moins 4 minutes, ça va faire 13h07 minutes. Donc on va dire qu'on va débuter nos descentes dans 3 minutes. Non, alors Harold, en fait, la 3DNX, il gère pas la navigation verticale encore. C'est-à-dire que c'est à toi de gérer ta descente pour être pile poil à la bonne altitude sur le bon point de navigation. C'est-à-dire que là, si je mets l'altitude, la target altitude pour Genève, dans le vrai avion il le gère, c'est à dire qu'il t'indique le top of descente par une petite flèche et il va gérer sa descente. Il va respecter en fait sur le trajet toutes ses contraintes de descente. Sauf que la 3DNX ne gère pas encore la navigation verticale. Il gère la navigation horizontale, mais il gère pas la navigation verticale. Donc c'est pour ça qu'il faut calculer ton top of descente toi-même. Aujourd'hui je vais pas rentrer dans le calcul profond du top of descente hein, avec les... On va pas faire des maths. Je vais pas vous faire mal au crâne, mais après vous pouvez calculer de manière assez précise parce que forcément ça va varier en fonction de votre vitesse, donc ce qui veut dire en fonction du vent. En fonction de tous ces paramètres. Donc on va rentrer nos performances pour l'approche puisqu'il les a demandé, on va lui rentrer ça tout de suite. Donc on est prévu en ILS piste 22, donc sûrement c'est pour par rapport au vent de face. Donc la piste elle est orientée, la piste 22 elle est là, elle est orientée 224 degrés. Et sur Genève il prévoyait du vent 230 degrés, voilà, donc on aura vraiment du vent de face, ça c'est bien. D'ailleurs 3 minutes ça passe vite, on va surveiller pour la descente. Donc actuellement 230 degrés 6 nœuds pour le vent. Température de 5 degrés, QNH à 1034 hectopascal.
l'altitude de transition sur Genève, alors on n'a pas de contrôle, donc on va prendre l'altitude. On va prendre la transition altitude et pas le transition level, on l'a pas. Ça c'est lorsque vous descendez sur le terrain et ça c'est quand vous quittez le terrain. On va prendre 7000 pieds du coup. On passera en QNH local à partir de 7000 pieds. Et le barreau c'est l'altitude de décision. On est en ILS 4.1, décision altitude 1565 pieds. Ça veut dire que 1565 pieds sur votre altimètre, c'est-à-dire au QNH local, c'est pour ça qu'on dit au barreau. Donc on va faire notre approche, si à cette altitude on ne voit pas la piste, et eh ben on redécolle. On avorte à toute l'approche. Combien de temps il reste là? On arrive, voilà, bah on a passé nos 3 minutes, on va pouvoir débuter notre descente. On avait estimé à peu près 3-4 minutes de descente. Là il est 13h08 jusqu'à 13h11 pour atteindre le point Lussard. Je vais le laisser pour l'instant en mode géré, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? On perd de l'altitude. La vertical speed est négative. On est bien passé en mode descente. Donc là, je le laisse en mode géré. Moi, j'avais tablé en mode géré sur une vertical speed. Je pense qu'il va prendre 2005-2006. Et puis après, en fonction, on pourra ajuster nous-mêmes en mode sélectionné au besoin. Avec la flèche du bas là. Pour l'instant, je vais le laisser faire. Début de notre descente sur Genève, donc on le voit effectivement, vent très faible et il a l'air de faire beau, on n'a pas de nuages, c'est très bien. Et on a vu que sur le webcam il faisait beau, donc c'est parfait. Donc on a vu nos contraintes d'altitude pour notre approche. Ensuite on effectue une approche ILS piste 22, donc on va faire ça. On a une transition par le point SPR Saint-Prex, on va pouvoir le régler d'ailleurs sur le VOR. Harold, non, le QNH ça n'a rien à voir avec la vitesse. Hein. Ici en fait c'est la pression atmosphérique, donc en Europe c'est en hectopascal et ça n'a pas d'influence sur la vitesse, ça a une influence sur ton altimètre puisqu'en fait l'altimètre des avions est calé par rapport à la pression barométrique, donc le fait de changer ici ça va te changer ton altitude, c'est pour pouvoir garder tous les avions à la même vitesse, à la même altitude pardon. Donc là il reste 2 minutes jusqu'au point Lussard et là je suis à 24 000 pieds, pour l'instant on n'est pas trop mal, tu vois on a 2600 pieds de descente, c'est ce qu'on avait prévu. En tout cas on doit pas être en dessous de 20 000, d'ailleurs là sur Lussard il n'a pas pris la contrainte, elle n'était pas rentrée dans le FMC, normalement il est rentré automatiquement mais on peut la rentrer ici, altitude, on peut le rentrer ici, si je mets 20 000. Voilà. Et là, il a bien pris 20 000. D'ailleurs, fallait que je mette plus 20 000 parce qu'on doit être au-dessus, pas en dessous. Donc forcément au-dessus. Donc c'était plus. Ce qui veut dire qu'on doit être au-dessus de 20 000 pieds. Et le reste, il les a bien pris en compte. Au-dessus de 16 000, plus 16 000, au-dessus de 8 000, plus 8 000.
On aperçoit déjà les Alpes. Donc la météo, on l'a vu. Notre appareil, il est là. Sur Genève, on a un autre vol qui se prépare à partir. Voilà, donc là, on entend les moteurs en fait, donc c'est qu'il doit se stabiliser à 20 000 pieds. Et on est pile sur le point Lussard, donc c'est parfait, on va poursuivre la descente. On va lui mettre 8000. Je le laisse en mode géré pour l'instant. Donc le point Lussard, on l'a atteint en 28 minutes après décollage. Donc Lussard, il est là. Donc là, je vais même noter 28 minutes de temps en route pour lui faire. Et lui prévoyait. Il prévoyait 29 minutes. Donc là, c'est bien, on a une minute d'avance. Pour la consommation de carburant, fuel on board, je suis à 3 tonnes 1. Quasiment. Et lui, au point Lussard, il prévoyait 3 tonnes. Donc on a effectivement consommé un peu moins que prévu. Donc là, j'ai noté au point Lussard, 28 minutes de temps en route. 3 tonnes 1 à bord, et ça c'est le carburant consommé, 1 tonne 7 c'est ce qu'il prévoyait, et moi j'ai consommé 1 tonne 6 forcément. S'il nous reste 100 kg de moins, c'est qu'on a consommé non, s'il nous reste 100 kg de plus dans les réservoirs, c'est qu'on a consommé 100 kg de moins. Donc en radio navigation, on avait dit qu'on rentrerait SPR. Le VOR de Saint-Prex. Saint-Prex, on va lui donner quoi comme orientation, comme radial. Bah, il sera dans l'axe de la piste. Je vais mettre 224 degrés. Pour l'instant. ILS, on vérifie que ce soit bien celle-ci. C'est une approche ILS, donc ILS DME. ISW 108.7 en fréquence, orienté cap de la piste 224 degrés. Il est bien rentré ici. Course 224, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le VOR de Genève. Genève, je peux le mettre en GVA, je peux le mettre en VOR 1 si je veux. Voilà. Et on va regarder la mise d'approche en cas d'approche manquée. Donc, initial acclame qui est en 7000 pieds. Si on manque notre approche, on monte dans l'axe de la piste radial 224 de GVA. Donc on peut mettre 224 sur GVA. Alors je vérifie quand même que tout se passe bien. Ouais, ça va, on n'est pas trop mal. Et ce que je vais faire, je vais mettre pour l'approche manquée. Il nous demande de rentrer, de poursuivre dans l'axe de la piste. Donc c'est ce que vous avez en pointillé. Donc ça, moi je vais le rentrer dans l'FMC. Donc c'est tout simple, on va mettre LSGG en fixe, c'est l'aéroport. Et je vais lui mettre 224 degrés en radial. Et donc ce qui va nous donner, si on passe en mode plan, voilà, ça nous donne ça en pointillé. Comme ça, moi j'ai l'indication en fait tout de suite, je sais si je manque mon approche, je sais où je dois aller dans l'immédiat. Bon, voilà, on a la neige et la montagne, on a le lac Léman en face. On va attacher les PAX. We will now prepare the cabin for the landing.
Please make sure that your hand luggage is stowed safely and the overhead compartments are under the seat in front of you. At this point, we would like to remind you of the possibility to make a donation for the SOS Children's Villages. Meine Damen und Herren, wir werden nun die Kabine für die Landung vorbereiten. Bitte versichern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist. An dieser Stelle möchten wir Sie an die Möglichkeit erinnern, einen Beitrag für die SOS Kinderdörfer zu spenden. Mesdames et Messieurs, nous allons à présent préparer la cabine pour l'atterrissage. Veuillez vous assurer que tout bagage à main soit dans les compartiments à bagages ou sous les sièges devant vous. On a changé de paysage. À cette occasion, nous aimerions vous rappeler la possibilité de faire un temps pour la village de On va passer les 10 000 pieds. Donc, contrainte de vitesse, il la respecte tout seul, 250 nœuds, et landing lights. We also ask you to put your seat back in the upright position and to fold away your table as well as your legs and video screen. Thank you. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie wieder Platz zu nehmen, Ihre Sitzgurte zu schließen. Bitte stellen Sie Ihre Sitzlehne senkrecht und klappen Ihren Tisch, die Fußstütze und den Bildschirm zurück. Donc là, pareil, pour perdre sa vitesse, en fait, il relève le nez. Il va chercher les 250 nœuds. Une fois qu'il aura atteint, il va poursuivre sa descente. Veuillez également redresser le dossier de votre siège en position verticale et rabattre votre tablette ainsi que votre appui. Et donc, on va poursuivre la descente. Individuel de vidéo. Merci. 5000 pieds. Voilà, donc pour l'approche manquée, on reprend, donc on monte dans l'axe de la piste, radial 224 de GVA, donc ça ira tout droit. Et à 9.5 de GVA, on tournera à gauche, maximum 185 nœuds, pour intercepter la radiale 38 de Chambéry, d'accord. Chambéry 38, bon bah c'est plutôt ça qu'on va mettre, Chambéry 38... Surveille qu'ils suivent bien sa route. Donc on va activer le VOR 1 puisqu'on a besoin de GVA en cas d'approche manquée. Et puis je vais plutôt mettre Chambéry 38 pour en cas d'approche manquée. Donc c'était CBY. CBY. 38. Et là, je vais l'activer ici. Donc là, il a bien trouvé le VOR de Chambéry ici. Et moi, sur mon ND, j'ai bien le VOR de GVA ici. Enfin, très belle vue sur le lac Léman. Donc si parfois l'avion bug et soit il suit pas bien la route ou ça, après rien ne vous empêche de passer en mode sélectionné et de lui donner un cap ou une altitude que vous voulez. Hein. Ça, ça arrive. Alors, terrain de Genève, c'est par là-bas. Darem 98, thank you for the follow. Là il s'est mis une contrainte, bah tiens il a une contrainte à 7000 pieds. Ouais, ici on doit pas être en tout de 6100 pieds après 5000. Pour notre approche ILS, donc le cap orienté 224 degrés et on intercepte effectivement 7000 pieds. Ouais, donc c'était pas, ouais. Je sais pas pourquoi je lui ai donné 5000, c'est 7000 pieds qu'il fallait mettre. J'avais pas regardé la carte ILS. D'ailleurs 7000 pieds c'était notre altitude de transition. Hop. Là la petite alarme c'est parce que du coup il va se recaler sur son altitude. Donc on va la couper ici. Il nous indique en fait qu'il y a une différence sur l'altimètre. Donc là je vais le faire descendre. 7000 pieds, on est sur une approche ILS. On va activer le landing system. Et l'auto-break, on va le mettre en mode low pour avoir une assistance freinage à l'atterrissage. Là, il a déjà chopé l'ILS, ISW. Il a déjà chopé. On a l'axe, notre lock ici, le glide ici. Donc là, je vais pouvoir me mettre en mode ILS. Voilà.
Là, on est en train de choper le glide, l'axe de descente. Donc là, c'est bien, il respecte bien sa contrainte de vitesse également des 220 nœuds. Donc là, on a le lock, la piste est sur notre droite, effectivement, derrière nous sur notre droite. Là, il m'indique le bord de GVA derrière nous, et là, il est en train de choper le glide. Donc là, ce que je vais faire, pour vous montrer, hein, pour gagner un peu de temps, là, je vais passer en mode cap sélectionné. Donc voilà, je vous laisse, je maintiens le cap. Ici, j'ai gardé ma route. On va éclairer un peu plus, voilà. C'est juste pour prendre le temps d'expliquer. Et là, je vais faire une réduction de vitesse à 200 nœuds. Mon QNH est bien réglé à 1034. On est bien prévu. ILS 22, c'est bon. Là, en configuration, il me dit que je peux sortir les volets à partir de 200 nœuds. Au-delà de 200 nœuds, on est en configuration 0, en configuration clean. Donc là, je peux sortir un cran de volet. Donc speed check, on vérifie la vitesse, speed check, je suis à 200 nœuds, flaps 1. Je vais armer mes spoilers, le radar météo j'en ai plus besoin. Ensuite, quand vous passerez la S-speed, c'est le deuxième cran de volet, 182 nœuds. Donc avant toute chose, on va prendre un cap 90 degrés à droite, perpendiculaire à la piste. Donc 42 plus 90, ben on fait 42 plus 100, ça fait 142, moins 10, 132. Voilà, là, je suis à peu près perpendiculaire à la piste. Pour les vitesses, on va dire, grosso modo, hein, 22 nautiques, on pourrait être à 220 nœuds. 20 nautiques de l'ILS, je pourrais être à 200 nœuds. 18 nautiques, 180. 16 nautiques, 160. Etc. Donc là, on peut activer le mode approche. Alors si vous activez ça, l'avion, il va suivre sa vitesse d'approche, 127 nœuds, si on l'active. C'est pour ça que moi, je suis passé en vitesse sélectionné pour qu'il maintienne sa vitesse de 200 nœuds. Là, on est en train de voir qu'il chope le localizer. Hop, j'active, j'oublie pas d'activer le lock. Et l'avion va tout seul choper le localizer. Donc moi, quand je suis passé en mode sélectionné pour la vitesse, je peux activer le mode approche. Il va pas descendre à cette vitesse-là tout de suite. Ouais, c'est pour ça, Darem, tu vois, que je l'ai activé, mais que je lui demande de garder la vitesse de 200 nœuds. Comme ça, il va pas tout de suite suivre la vitesse indiquée dans la vitesse d'approche. Là, je suis à 22 nautiques, hein, donc pour l'instant, je peux garder 200 nœuds. Plus on va se rapprocher de la piste, plus je vais réduire. Je vais faire 180, 160, et après, je le passerai cette fois en mode géré. Et en mode géré, lui, va suivre sa vitesse d'approche, qui est à 127. Là, vous voyez que je suis en train de choper également bientôt le glide. Donc une fois qu'on a chopé le lock, on n'oublie pas d'activer le mode approche. Mode approche activé. Voilà. En cabine, ça se passe bien. Et donc là, grâce au mode approche, il va vous suivre le lock et le glide tout seul, comme un grand. Voilà, 19 nautiques, je vais commencer à réduire ma vitesse gentiment, 180. 180, on a dit qu'on allait pouvoir sortir un deuxième cran de volet, donc on attend la réduction, on va passer la S-speed. S-speed check, 182, speed check, flaps 2, deuxième cran de volet. Alors
Alors là, on voit qu'il devait choper le plan de descente à peu près 17,7 nautiques. Et moi, tu vois, j'étais à 18, un peu moins de vue, donc c'est bon. Effectivement, là, il le chope. Et il débute sa descente. Allez, 16 nautiques, je réduis, 160 nœuds. Savoir que sur Genève, je crois qu'il y a un plan de descente qui est un petit peu élevé. Le Mont Blanc, c'est là-bas. Il est là. Donc là, il indique bien, on a deux crans de volée. Landing light activé, grand spoiler ramé, seatbelt. L'auto-break, on l'a mis. Mode approche est bien activé. On est pas mal. Donc j'ai réduit 160 nœuds. Donc en cas d'approche manquée, on poursuit tout droit dans l'axe de la piste, montée 7000 pieds et on vient intercepter la radiale 38 de Chambéry. J'ai mis Chambéry sur la droite. Allez, je vais passer en mode géré. Donc là, il va essayer de se caler sur sa vitesse d'approche. Évidemment, on l'aidera à freiner en sortant plus de volets, toujours en respectant les vitesses hein, et le train d'atterrissage qui va faire freiner l'avion. Mais là, j'ai le temps, hein, je suis à 11 nautiques encore. The Bourrin, hello, welcome board. Bah sur Genève, justement, The Bourrin, je crois que tu as un plan de descente. Bah d'ailleurs, attends, le plan de descente, on l'a ici. Sur la piste 04, il est un peu plus élevé. Non, non, bah là, c'est 3 degrés de descente. Hein. C'est sur l'autre piste, alors je crois qu'il est plus élevé sur la piste 04. Quand tu fais l'approche 04, il me semble que le plan de descente est supérieur à 3 degrés. Après, à quoi que là, il me dit 3-4. Ouais, faudrait poser la question si ça indique justement il est à 3,4, je sais pas. 8 nautiques, ah ouais, donc ouais, c'est vrai que j'ai oublié de m'annoncer sur ça c'est pas top parce que j'ai pas annoncé sur IVAO. Là il annonce 2500 pieds, ouais on est 2 en approche, c'est pas bon. C'est le radio altimètre qui vous déclenche à partir de 2500 pieds. Donc là, il a détecté. Je me suis pas annoncé sur IVAO en approche, donc je vais le faire. Parce que sur IVAO, faut respecter les procédures. On va espérer qu'il dégage vite la piste. Allez, 5 nautiques, train d'atterrissage. Speed check, flaps full. On sort. Volé. Le train d'atterrissage est bien sorti, j'ai 3 voies en vert, 3 voies en vert, on va viser la cabine de notre atterrissage, les feux en position take-off. Flight attendants, please prepare for landing. Et voilà, et là vous voyez que l'avion il s'est calé sur sa vitesse d'approche, il gère tout seul, le lock, le glide.
Ouais, donc ça c'est pas sympa pour les autres avions puisque je m'étais pas annoncé en approche sur Genève et du coup ça a pas trop dû lui plaire de me voir en vol fantôme comme ça. Donc IVAO c'est le réseau de contrôle aérien virtuel. De la même manière que t'as les pilotes, nous qui pilotons, et ben t'as des contrôleurs aériens qui gèrent le contrôle. Ce qui rend la chose beaucoup plus réaliste évidemment. 1000 c'est check, 1000 pieds. Autopilot off. Autopilot off, j'ai les commandes. Donc 7000 pieds c'est réglé. Donc on voit qu'on a un vent de face et très faible, hein, 5 nœuds. Ce qui veut dire pour l'approche ça devrait pas poser de problème. 500. Et donc là je suis le flight director. C'est-à-dire les croix vertes et deux croix vertes. Et là on va juste se concentrer pour faire un bel atterrissage. 300. C'est bon, l'avion a dégagé la piste, c'est parfait, on va poursuivre notre approche. Touché, reverse. Je vais couper le chrono. Throttle sur idle. Alors le temps en route, j'avais pas sur. On a 49 minutes de en route, on a pris un peu plus de temps sur notre approche, donc on a dépassé. On était à 45 minutes de prévu, il me semble, de temps en route. Le temps en route, c'est le temps à partir du décollage et jusqu'au toucher au sol. On avait prévu 46 minutes et moi je suis à 49 parce que j'ai pas fait une approche directe. Bienvenue donc à Genève, on a effectivement une température de 5 degrés comme prévu. Et la météo, bon, on est effectivement plutôt clémente sur Genève. C'est mieux qu'à Paris. Miloudi, hello, welcome board. Donc on quitte la piste, on va couper nos landing lights qui sont éblouissants, les feux en position taxi. Pour pas éblouir. Pareil pour les strobes, hein, on a quitté la piste, on les coupe. Et bienvenue à Genève. Ladies and gentlemen, please keep your seat belts fastened until we have reached our final parking position. On va démarrer la PU. And the fastened seat belt sign has parce que quand vous allez couper vos moteurs, sinon vous aurez plus d'énergie. Donc on démarre la PU. Stay on board. And on behalf of Swiss and your crew, thank you for flying with us and goodbye. We all wish you a very pleasant day. On coupe également le transpondeur. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unseren Standplatz erreicht haben und das Anschnallzeichen erlischt. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und im Namen von Swiss und ihrer Besatzung besten Dank und auf Wiedersehen. Spoiler. Wir wünschen Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester attachés jusqu'à l'arrêt complet de l'avion et de l'extinction du signal correspondant. Nous espérons que ce vol vous a plu et au nom de Swiss et de votre équipage, merci beaucoup et au revoir. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Alors j'avais pas prévu ma porte, hein, donc on va prendre une porte. On va voir ce qu'il nous donne. Porte 4. Merci Popol Miloudi. Very well, thank you. Porte 4, je sais pas si elle est. On la retrouve 1, 2, 3, 4, ouais, si ça doit être celle-ci. Normalement. Donc on a coupé nos feux landing. Transpondeur est coupé également.
et on a activé donc l'APU, puisque quand on va éteindre les moteurs, et ben si vous n'avez pas l'APU démarré, forcément vous aurez plus de jus, donc ça va tout couper. Salut Callsign, welcome board également. On aurait pu, ouais, j'ai pas activé le fly recorder. Bah tiens, on a un autre vol. EasyJet, IVAO. Ah, c'est que le trafic IVAO. Hein. Il nous fait prendre par là. Elle est là-bas la porte. Je vais couper le moteur gauche. Ça permettra d'économiser un peu au sol sur le roulage. Bien, il fait beau sur Genève. Et porte 4, effectivement, c'était là. On coupe les feux de taxi. Pour pas éblouir le bonhomme. Robert, welcome board. Ouais, je coupe le chrono de la porte également, on est arrivé. Je sais pas pourquoi il me dit à gauche, mais... Train de parking serré, on a un autre collègue au départ, bah d'où on arrive et lui il part. Frein de parking serré, hop, je peux relâcher mes freins, master 2 sur off, bienvenue à Genève. Et si vous voulez savoir, il y a un peu de monde sur Genève, donc nous on est là. Et lui s'en va sur à Olbia. Il part pour Olbia. Ouais, alors Milou dit les tutos ça aide à, justement à former pour pouvoir faire des vols corrects en A320. Tous les vols sont pas commentés hein, parce que je fais beaucoup de. Je partage mes vols, mais ils sont pas tous en vol commenté comme. J'essaye d'en faire le week-end pour partager le puce, mais seatbelt off. Donc, vous voyez comme on a l'APU qui est connecté, on a coupé les deux moteurs, mais on a toujours de l'énergie. Les feux, on peut les couper, l'oxygène, les fuel pumps. Le GPU justement. Bon, les timings c'est pas très utile sur ce vol puisque enfin on est parti avec beaucoup de retard. Après si on peut prendre quand même le temps en route dont je vous parlais, donc on a 49 minutes de temps en route, on en avait prévu 46 ici, moi je suis à 49, donc on a mis 3 minutes de plus. Concernant notre carburant, j'arrive fuel on board, je suis à 2,7 tonnes, lui prévoyait quoi, 2,7 tonnes.
Et consommé, je suis à quasiment 2 tonnes. Forcément, c'est logique. Donc 2 tonnes, pareil, c'est ce qu'il prévoyait. On peut noter notre block time, donc ça c'est le temps de porte à porte, 1h et 1 minute. Donc lui il prévoyait 1h et 6 minutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait si on était parti à l'heure, et ben moi j'aurais mis 5 minutes de moins que ce que prévoyait lui. Donc en gros au lieu d'arriver à midi 46 Zulu, je serais arrivé à midi 41. Mais on est parti avec 58 minutes de retard sur depuis Orly, donc en fait je vais pas faire le calcul, ça sert à rien. Donc en fait, après si vous voulez que je vous le temps en route vous sert à on peut calculer l'heure du toucher du coup parce que je n'ai pas noté. Quand vous touchez la piste, vous avez autre chose à faire forcément que noter l'heure, donc on peut le calculer. Hein. J'ai décollé à midi 44, j'ai mis 49 minutes de temps en route, donc midi 44, 13h44 ça fait 1h, j'enlève 10 minutes ça fait 13h34, et encore 1 minute, 11 minutes de moins, ça fait 13h33. On a touché le sol à 13h33 et l'arrivée en porte on peut la noter à 13 à peu près 13 ça fait quoi si je fais le block time midi 38 13h38 ça fait 1h 13h39 pour l'arrivée en porte. De midi 38 on ajoute 1h et 1 minute de block time, temps total ça fait 13h39 minutes. Voilà, normalement là on est pas mal. Alors le GPU s'est connecté, donc je vais pouvoir me connecter dessus et je peux couper la PU. On va déverrouiller pour sortir du cockpit. On a lui qui se prépare à aller sur Olbia et nous qui sommes arrivés depuis Paris-Orly. Merci à tous d'avoir suivi ce vol en live stream depuis Paris-Orly jusqu'à Genève. Voilà, j'espère que les coms vous auront plu et qu'on a répondu donc à vos questions. On m'avait posé une question par rapport au stabilisateur au trim. Donc je vais revenir rapidement dessus. Pour le stabilisateur, en fait le stabilisateur c'est la partie qui se trouve ici et ça vous le réglez, donc il y a un auto trim sur Airbus mais au décollage en fait faut le régler en fonction de la masse et du centrage de l'avion. Pour le régler on se sert des roulettes ici et quand vous allez sur la page flight control il apparaît ici, c'est le pitch trim. Là si je modifie ça va modifier la valeur ici en up ou down en fonction du centrage. Ensuite dans la page performance, bon sur cette version ça change pas grand chose hein, ça prend pas vraiment compte, mais vous pouvez le noter quand même ici au THS trim horizontal stabilisateur. Et en fait il est calculé une fois que vous avez rentré toutes les pages comme on a fait au début sur la page ici fuel, il va vous calculer le CG, le centre de gravité. Une fois qu'il a calculé CG, bah il faut prendre la checklist que j'ai mis en lien en description et vous regardez avec le take-off, le centre de gravité au take-off, au décollage, vous ajustez en fait au trim en fonction. Nous il était à 24,7 au départ de Paris-Orly, donc ce que j'ai fait, bah j'ai là 24, là j'ai 26, donc 25 c'est au milieu, donc 24,7 c'est un petit peu moins, donc voilà. Ça fait à peu près 1,8 en position up vers la gauche. Du coup, on avait noté. C'est pour ça qu'on avait noté 1,8 ou 1,7, je sais plus. Voilà, on avait noté up 1,7. Et au décollage de Paris-Orly, on l'avait réglé à up 1,7.
Voilà. Ça vous permet de régler donc le stabilisateur, comme ça votre avion il va décoller très facilement, on va dire. Vous aurez besoin de juste tirer un peu sur le manche et voilà. Bon allez, on va se quitter là-dessus. Donc je vous dis à très vite pour d'autres vols. Ils sont pas tous en vol commenté, hein. Je fais beaucoup de vols partagés, mais pas tous commentés. Et on essaie de faire certains live streams justement pour expliquer tout ça. Passez un très bon week-end, merci d'avoir suivi. Et à très bientôt, salut les pilotes, ciao ciao.